Hello my friends, aujourd'hui je reçois Michael Preto, un gars complètement hors norme, à classer quelque part entre Captain America et Largo Winch. Largo Winch pour le sens des affaires, Captain America pour les pectoraux. Michael est en effet à la fois un serial entrepreneur à succès, il a notamment créé plusieurs grands cabinets de conseil auprès de l'industrie de la santé, mais il est également vice-champion du monde de bodybuilding. Né d'un père bod people vietnamien, il est pourtant parti de zéro et s'est construit tout seul. Alors si toi aussi tu te demandes comment un tel parcours est possible, comment il est humainement faisable de gérer deux vies professionnelles aussi exigeantes en parallèle, cet épisode devrait particulièrement te plaire. Prépare-toi à découvrir les secrets de Michael pour muscler sa motivation au quotidien, à comprendre comment certaines assaises corporelles peuvent affûter ton esprit comme une lame, comment certains principes de nutrition peuvent contribuer à te rendre plus heureux, comment développer progressivement ta confiance en toi pour parvenir à prendre plus de risques dans la vie. Et puis plein d'autres trucs incroyablement cool pour mener sa vie sabre clair. Enfin, si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Déjà, c'est vrai, merci, ça me ferait super plaisir. Mais en plus, ça permettra à d'autres auditeurs de découvrir Sabre Clair, car il n'y a que vos notes et vos commentaires qui permettent d'augmenter la visibilité du podcast. Voilà, je te souhaite une excellente écoute et n'oublie pas de mener ta vie sabre clair. Salut Michael, bienvenue sur le podcast de Sabre Clair. Bonjour Christophe, merci pour ton invitation. Écoute, je suis vraiment super content de t'avoir et d'avoir cet échange avec toi. Alors tout le monde ne te connaît pas forcément parmi nos auditeurs, et si d'aventure ils s'amusaient à chercher Michael Preto sur Google, ils ont l'impression qu'il y a au moins deux Michael Preto. Alors il y en a peut-être deux d'ailleurs, mais enfin là dans les images qui ressortent, on voit d'un côté une sorte d'entrepreneur visiblement très successful avec des costumes bien taillés, et puis sur d'autres images, on a un gars qui ressemble plutôt à The Rock sur des scènes de compétition de bodybuilding. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas deux personnes, mais c'est une seule personne. Et d'ailleurs, c'est toi. Et quand on creuse encore plus sur les réseaux sociaux, par curiosité, on se rend compte que en plus, tu es l'heureux père de cinq enfants. Donc, si je résume, tu es chef d'entreprise et pas petit chef d'entreprise. Tu es vice-champion du monde de bodybuilding et tu es à la tête d'une heureuse famille. Alors c'est vrai que quand on voit ça, on peut un peu se dire en fait, moi avec ma petite vie, je suis vraiment qu'une grosse merde. Je lui arrive pas à la cheville. T'as un truc pour nous consoler sur sur le fait que nos vies ont l'air bien plates en comparaison de la tienne. Alors, vous consoler, oui, en vous disant tout simplement qu'il est jamais trop tard. On a plein d'exemples de personnes qui ont monté des boîtes à 60 balais ou qui ont accompli des prodiges physiques tard. Bon, simplement, à un moment donné, il faut se trouver ce déclic, trouver la source de motivation qui permet d'accomplir ça, mais en tout cas d'en avoir conscience, quoi. Et, moi, si tu veux, c'est un peu par hasard que j'ai trouvé ces sources de motivation et qui deviennent aujourd'hui une évidence, où j'ai pas besoin de me poser la question de pourquoi je me lève à 6 heures du matin pour aller faire mon cardio. C'est dans ma routine de vie et c'est devenu comme toi, te brosser les dents après le petit-déj, quoi. C'est devenu normal. Mais effectivement, c'est un espèce de cercle vertueux dans lequel je suis tombé un peu par hasard, certes peut-être grâce ou à cause d'un parcours de vie initial, mais en tout cas, voilà, avec du recul, effectivement, je me dis que tout est possible à partir du moment où voilà, on a la volonté, on y croit, et qu'on y met les moyens, quoi, quand même. Alors moi, je voudrais que tu nous aides à trouver notre déclic, et qu'ensuite tu nous aides aussi à travers tes conseils à trouver les ressources en termes de motivation. Tu vois, moi le matin, effectivement, je me brosse les dents. Tout le monde sera très heureux de le savoir, mais je pars pas faire du cardio, tu vois. Et j'ai beau me brosser les dents avec assiduité, j'ai pas les mêmes biceps au final, du coup. Toi, le déclic, est-ce qu'il est venu tôt? T'as une enfance qui n'était pas hyper rigolote. Est-ce que ça a joué un rôle ou est-ce que c'est venu plus tard? Ouais, je pense que ça a clairement joué un rôle parce que le premier déclic que j'ai eu, c'était, je dirais, en primaire, si tu veux, sans tirer dans le larmoyant,
Ma mère est tombée enceinte de moi à 16 ans, tu vois, d'une famille italienne. Elle a rencontré mon père, boat people, donc immigré vietnamien. Donc je suis arrivé par hasard. Donc ma mère s'est fait chasser de sa famille, donc ils ont dû se débrouiller au début. Donc tu vois, sans encore une fois tirer dans le dramatique. Bon, un début pas forcément. J'avais pas forcément les bonnes cartes. Il y en a, ils ont un can flush. Moi, j'avais une paire de 7. Mais j'en ai fait quelque chose de bien. Et justement, c'est en me disant, bah, quelque part, moi, je suis du bonus. Très tôt, je me suis dit, j'ai eu du mal à savoir qui j'étais. Parce que quand tes parents, en rigolant, ont dit que t'as un accident, tu vois, c'est humour des années 80. Aujourd'hui, on sait que maintenant, grâce à la pédopsychiatrie, tu fais plus genre de blagues. Mais t'as un père qui est vietnamien, tu sais pas qui sont tes grands-parents, ni d'un côté ni de l'autre. En classe, voilà, tu peux pas trop raconter de choses. Donc pas un mal-être, mais de me dire bah qui suis-je au final, tu vois. Toi, j'imagine qu'avec ton famille, t'as des histoires de famille, t'as des ascendants prestigieux, etc. Et bah moi, j'étais quelque part, voilà, un accident. Et bah, au lieu de prendre ça comme un accident, je me suis dit à un moment donné, bah, rien à perdre, bonus. Et je suis passé. Et donc, mais quand même, une petite enfance dans l'inconnu, tu vois. Le mec, il fait pas de vent, qui est au fond de la classe, qui a des copains, mais bon, pas hyper populaire. Et un jour, c'est là mon premier moment de gloire, il y avait un arbre au fond de la cour de récré avec une branche, tu vois, à 1 mètre de haut, parallèle au sol, sur laquelle les gamins, enfin, on s'amusait à faire des tractions. Et le jour où j'ai essayé, je me suis rendu compte que j'étais assez doué pour ça. Donc je tapais des séries de 10, 15, 20. J'avais un rapport poids-puissance a priori pas mal. Une 205 Il faisait que GTI, quoi. les... Voilà, c'est ça. Les gamins bah, venaient me voir, me disaient « Ah, tu peux recommencer » jusqu'à aller chercher la maîtresse. Venez voir la maîtresse qui fait, quoi. Et même la maîtresse, waouh! Et là, tu sors de l'anonymat grâce à une prestation physique qui te rend vivant, tu vois, par rapport à cette sensation-là de gloire, ce que j'appelle la gloire, et c'est mon moteur, hein, et ben ça m'a jamais quitté. Et j'ai toujours dans l'idée, tu vois, de faire des choses qui transcendent un petit peu la banalité, une vie normale, qui fait que tes enfants ou tes petits-enfants diront, ah bah papy, il a été vice-champion du monde de bodybuilding. Est-ce que ça ira aux arrière-petits-enfants? Je ne sais pas. Il faut que je fasse champion du monde pour que ça se fasse. Donc, c'est dans le projet. Mais, tu vois, déjà, quelque part, j'ai un peu la vie éternelle parce que j'ai monté une boîte. J'espère j'en monterai une que je céderai peut-être à un des 5 enfants. Et au-delà de ça, que je céderai cette envie de faire des choses un peu hors du commun. Alors, tu aurais pu te cantonner au physique d'ailleurs, parce que la récompense est immédiate et on est câblé de telle manière que avoir une récompense immédiate, c'est quelque chose qui est plus désirable et donc c'est la pente la plus facile. Mais tu as été également, enfin, tu vois, t'as pas laissé tomber l'école ou les études pour autant, au contraire même. Non, non, bah, les études, c'était une facilité. Quand je te disais que j'avais une paire de 7 à la naissance, c'est bah, un, déjà naître en France. Hein. Il faut quand même reconnaître quand tu nais en France, c'est déjà pas trop mal. Et je pense des bonnes prédispositions physiques et intellectuelles, même si ça fait un peu pompeux de le dire. Mais ce qui fait que, tu vois, grosso merdo, de la sixième jusqu'à ce que je rentre en lycée militaire, bah, j'étais premier de la classe. Être premier de la classe, encore une fois, c'était le moteur, hein. C'était pas me cultiver ou apprendre des choses ou être un citoyen éclairé. Non, c'était être premier. Et c'était vraiment la finalité. J'ai grandi par rapport à ça, mais si tu veux, par rapport à d'où je venais, c'était une grosse satisfaction. Alors que mes enfants, je leur dis plutôt, bon, qu'est-ce que tu as retenu de ça, etc., de ta leçon, plutôt que c'est bon, tu vas avoir 20 demain à ton test, quoi. Donc les études, effectivement, bah, je l'ai pris aussi comme une façon de sortir par le haut, quoi, de se faire voir par le haut, la gloire aussi. Et puis voilà, donc là on t'enchaîne, prépa, et puis Saint-Cyr.
Donc, t'as fait Saint-Cyr parce que t'avais ces deux moteurs, on va dire, t'étais bon à la fois en sport, t'étais bon dans les études, et donc ça cochait les deux cases. Ce sont à la fois des études intellectuelles et des études, enfin, et des études qui réclament un fort engagement physique. Donc, c'est ce qui t'a orienté vers ça, ou il y avait d'autres choses dans ton Non, il y a discernement, parce aussi que bah, toujours cette, ce. tu le raconteras, mais t'as eu un parcours assez atypique, t'as essayé pas mal de choses. Ce que j'aimerais essayer de comprendre, si tu veux, c'est comment t'as trouvé ta vocation. Alors, je sais pas si la vocation, c'est un truc qui existe vraiment, mais en tout cas, voilà, j'aimerais comprendre comment tu trouves tes next steps, en fait. Bah, la première fois que j'en ai entendu parler de Saint-Cyr, mon père s'est engagé dans l'armée. Il est devenu sous-officier. On ne parlait pas beaucoup d'études, forcément, et de stratégie scolaire. Et une fois, simplement, je lui ai demandé, papa, comment on fait pour être militaire et comment on fait pour être le meilleur militaire? Il m'a dit, pour être militaire, c'est facile, il y a plein de voies. Par contre, le meilleur militaire, c'est Saint-Cyr. Il m'a pas plus expliqué que ça. J'ai fait mes recherches, j'ai compris que pour faire Saint-Cyr, il fallait avoir fait une prépa, qu'il y avait des prépas spécialisées, et donc dans des lycées militaires, et que c'était bien de rentrer en lycée militaire. Donc je m'étais toujours dit, bah, je vais rentrer en lycée militaire. Et d'ailleurs, le dossier pour rentrer en lycée militaire, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai rempli, c'est moi qui l'ai D'accord. posté, etc. Donc, Et alors, partie d'une t'es info. rentré. Excuse-moi, ouais. Donc, t'es rentré ensuite, t'es rentré dans l'armée, t'as fait Saint-Cyr. Et puis, alors, je fast-forward un petit peu, mais après. Enfin, à Saint-Cyr, t'avais, en gros, une voie toute tracée devant toi. T'étais très bien noté. Voilà, t'avais des commandements, les commandements que tu souhaitais. Comme tu dis, Saint-Cyr, a priori, c'est la voie royale. Et donc, normalement, sauf erreur, tu aurais terminé au grade de général, enfin, tu vois, avec toute la gloire sociale que tu venais rechercher. Et pourtant, d'un seul coup, alors que tu dis que ton moteur, c'est la gloire, ce que je comprends bien. Eh ben, tu décides d'abandonner ces perspectives de gloire statutaire en tout cas, et tu te lances alors pas dans l'entrepreneuriat d'abord comme consultant. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? En fait, le déclic, encore une fois, c'était, j'ai bien, effectivement, premier temps de carrière dans l'armée, c'est très très bien passé. J'ai commandé un an en avance, j'étais très jeune pour commander une compagnie, et cette compagnie, je l'ai commandée au Liban, en autonomie, donc j'avais 100 mecs, en zone Hezbollah, à 20 km de la frontière israélienne. Donc non seulement j'avais un an d'avance, et en plus de ça, je suis sorti très très bien noté, parce que cette mission s'est bien passée. Tellement bien passé que j'ai été reçu par la direction des ressources humaines de l'armée de terre qui m'a expliqué mon plan de carrière à 10 ans. En me disant, c'est bon, les risques, tu les as pris, t'as pas fait de conneries, t'es très bien noté, voilà ce qui va se passer pendant 10 ans où tu vas alterner des postes au chaud et des postes en école pour espérer un jour commander un régiment dans 10 ans. Et ça m'a fait un coup de flip, tu vois. Ça, c'était moins glorieux d'un coup. Et j'ai tout simplement, le soir même, mis mon CV sur Internet en mettant manager expérimenté. Et c'est comme ça que c'est fait. J'ai eu plein de boîtes qui m'ont appelé, Auchan Sécurité, enfin plein de trucs, tous différents les uns que les autres. Et puis il y a une boîte de conseil qui m'a appelé pour être business manager. Je ne savais pas ce que c'était, je trouvais que ça sonnait bien. J'ai fait quelques entretiens, j'ai vu que les mecs étaient en costard-cravate, qu'ils avaient l'air épanouis, ils avaient des belles voitures. J'y allais feu, je fais ça. Mais vraiment une prise de risque, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec un pote, j'ai dit, je conseillerais jamais de faire ça, je suis parti à l'inconnu, j'avais pas forcément tout compris du métier, mais je trouvais que ça faisait bien. Et je suis reparti à zéro, voilà, dans le conseil. Et ça veut dire que ton moteur, c'est non seulement la gloire, mais en fait la gloire immédiate, c'est ça, non? C'est un petit peu ça? Ou est-ce que c'est Ouais, c'est la gloire immédiate, la gloire et l'aventure? c'est la gloire et l'aventure. J'aime bien être là où les gens m'attendent pas. Rien que le fait de dire j'ai fait ça, j'ai démissionné pour faire ça, rien que de voir la tête des gens, ça me fait marrer. Après, il faut assumer derrière, mais si tu veux,
Alors la première fois, tu sais pas trop si ça va bien se passer. Hein. Maintenant que j'en suis à mon pas mon premier craquage, maintenant je sais que on s'en sort toujours, de toute façon. Quoi qu'on fasse, on s'en sort toujours. Et donc maintenant, j'ai de moins en moins de peur ou de stress à faire ce genre de craquage. Mais ce premier craquage, le week-end où j'ai dû décider, j'étais pas bien. Hein. Ça a duré un week-end. Et voilà. Et puis après, chez Altran, pareil, je repars de zéro et je monte assez vite, puisqu'en 5 ans, je suis à la tête de 120 consultants, d'une business unit qui est une des meilleures de France. Et là, c'est pareil, bah, je décide, une fois que tout est en place et facile, CDI, période d'essai validée, tout est fait, tout était facile, bah, je me dis, voilà, bah, c'est pas rigolo, allez, je démissionne pour monter ma boîte. Tu nous Je racontes repars de zéro, je comment ça s'est passé? Alors, donc j'annonce ma démission justement pour monter ma boîte. Et puis là, bon, ça s'est branle-bas de combat dans la boîte où j'étais parce que je générais pas mal de cash, pas de soucis. On était en très très forte croissance, 30% de croissance tous les ans, enfin, dans le life science en plus. Donc, quand je branle-bas de combat, à tel point que le numéro 2 de ce groupe-là, hein, 30 000 personnes dans le monde, multinationales, le numéro 2 qui était en vacances en Corse m'appelle en me disant déjà, c'est la première fois que j'appelle un business manager de mes vacances, donc pour me mettre la Petite pression, pression. petite pression, et puis il me dit, bon, qu'est-ce qui te fait rester, quoi. Et là, d'un ton un peu joueur, et quelque part, pour pas avoir de regrets, je lui annonce trois conditions. Infaisable, enfin infaisable pour moi. Hein. Donc, le salaire mensuel à 5 chiffres, le poste de directeur qui va bien, la voiture qui va bien, et puis en plus je rajoute à la fin, on était en juillet, et rétroactif depuis janvier. Le truc il sort de nulle part, mais histoire de me dire, bon, de toute façon il va dire non, comme ça au moins j'ai pas de regrets, c'est des cons, et je fais bien de partir. À l'époque, il y avait des niveaux. Hein. J'étais N3 et je demandais à être N5. Bon, ce qui était impossible. C'est comme si dans l'armée, tu dis, je suis capitaine, je vais être colonel, quoi. Il y a un moment donné, tu déstabilises pas toutes les process d'une boîte qui a 30 ans d'existence par un petit caprice. Et puis, bah, le vendredi, je me fais convoquer par le directeur opérationnel qui me dit, bah, au fait, c'est bon. Je dis, comment ça, c'est bon, la bagnole? Non, non, tout. Ah. Et là, nœud au cerveau. Parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Et encore un week-end à se faire justement à réfléchir. Ce genre de week-end où toutes les demi-heures, tu changes d'avis selon ton mood. Tu écoutes une musique de hard rock, tu dis non, mais c'est bon, je me casse. Puis après, tu te réveilles de la sieste. Bon, finalement, je vais rester. Je m'étais dit, bon, quand même, tu as trois gamins. Tu as pris des risques une fois dans ta vie. Ça a bien marché, mais il faut pas être trop joueur. Si dimanche minuit, t'as pas choisi, reste. Solution de. Pense à tes enfants. Dimanche minuit, toujours pas décidé vraiment. Je dis, bon, allez, je reste, quoi. Et le lendemain matin, ça c'est véridique, j'ai un pote qui m'envoie un SMS, alors tu pars ou tu restes. J'allais écrire, je reste. Sentiment de honte. Je fais demi-tour sur la route, je vais au premier guichet de poste et j'écris ma lettre de démission sur le comptoir et je la poste. Allez, donc En mode réfléchis plus, tu es en train de te trahir, tu n'es plus, voilà. Et j'arrive au boulot, évidemment, avec la grosse banane. Tout le monde avait la grosse banane en pensant, putain, le salaud, il a bien négocié quand même. Et puis je dis à tout le monde, bah non, je pars, quoi. Ils en parlent encore, hein. Tu vois, je suis parti en 2013, j'ai des potes qui ils me disent, hein, on parle, alors c'est amplifié, la légende s'est amplifiée, hein, maintenant c'est encore plus exagéré. Mais tu vois, cette sensation-là, de on m'achète pas. Et puis tu vois, au final de cette boîte-là à l'armée, j'avais triplé mon salaire en me disant, bah, on peut pas faire plus, quoi. Finalement, je monte ma boîte la première année, je me refous au chômage. Mais 5 ans après, je la revends à un grand groupe. Finalement, j'ai refait un gap. Tu vois, et c'est ça que je retiens, c'est que on croit toujours qu'on est arrivé au taquet. On se dit, cette zone de confort-là, à un moment donné, il faut être raisonnable. Mais quand tu sors de ta zone de confort,
Finalement, c'est là où tu progresses. Hein. C'est très. Moi, je suis très darwinien dans l'approche. J'aime bien me foutre dans la merde tout seul parce que je sais que quoi qu'il arrive, bah, du coup, tu progresses. Et puis finalement, ça se répercute après en qualité de vie quelque part, quoi. Donc, et puis donc, une fois que je l'ai fait là, bah, après, je l'ai refait. Je l'ai refait plusieurs fois parce que. Et mais maintenant, sans me dire, c'est. Est-ce que c'est pas une connerie? Je me dis plus. Est-ce que c'est une connerie? Ouais, Je me alors, dis, quoi qu'il arrive, je vais y apprendre quelque chose. ça sonne un petit peu comme l'espèce de mantra très américain qui dit prenez des risques, vous allez voir, ça va être formidable, vous allez tous réussir. La réalité, c'est qu'en fait, on peut prendre des risques, c'est pas une garantie de réussite pour autant. Ce qu'il y a de particulier chez toi, c'est, bon, d'une part, je pense que tu as bien identifié tes propres moteurs intrinsèques, donc des sources de ta motivation, ce qui aide hein, de se connaître pour savoir vers où aller. Tu es capable, en effet, de prendre des risques, c'est lié à cette motivation pour l'aventure, mais je pense que cette capacité à s'en sortir, elle est due au fait que tu t'es prouvé un nombre incalculable de fois à toi-même que tu étais capable de faire les efforts suffisants, les efforts de créativité, mais aussi les efforts de motivation pour t'en sortir et à la force des poignets réussir à atteindre tes objectifs. Moi, pour que les auditeurs comprennent bien ce qu'il y a d'un petit peu unique chez toi, j'aimerais qu'on revienne sur certains épisodes de ta vie, notamment peut-être sous l'angle sportif, ce sera plus facile à comprendre. Qui montre ce culte de l'effort et le fait que tu ne baisses jamais les bras, tu te mets des ambitions extrêmement élevées. Et ça, je pense que à chaque fois que tu atteins tes objectifs, ça vient renforcer la confiance que tu as en toi. Et c'est ça aussi qui t'a permis de progresser régulièrement et de te dire, certes, je prends des risques, mais je sais également que j'ai une ressource au fond de moi-même qui me permet de progresser. Alors, pour revenir sur quelques épisodes qui illustrent cette motivation hors norme que tu as, est-ce que tu pourrais nous parler, alors on revient à ton époque où tu étais dans l'armée, tu étais en régiment, tu étais stationné à Lyon, et là tu as une idée bizarre qui te traverse la tête, tu te dis, tiens, moi aussi je voudrais avoir mes qualifications montagne, c'est-à-dire les qualifications qui sont normalement réservées aux, on va dire, aux troupes d'élite en milieu montagneux, ce qui normalement est pas possible de faire. Tu nous racontes ça? Effectivement, j'étais dans un régiment de soutien, donc logistique, pour les chasseurs alpins, mais à Lyon. Et je me mets en tête de passer les mêmes qualifications que les chasseurs alpins qui sont soit à Annecy, soit en Chambéry, etc. Alors, quelques anciens sous-officiers de la montagne pouvaient y accéder. Par contre, un Saint-Cyrien en logistique comme moi, personne n'avait jamais postulé ou n'avait eu l'idée de postuler de Lyon pour passer, tu vois, ce qu'on appelle le chef de détachement, c'est l'équivalent du guide dans l'armée. Bon, je postule. Bon, après, mes supérieurs qui commencent à me connaître ont arrêté d'essayer de me dissuader en me disant, tu vas au casse-pipe, comment veux-tu? Il y a une liste de courses à présenter, le test d'entrée, il est horrible. Il faut avoir une. Et je leur dis, bah, je trouverai les moyens, quoi. Donc, ils m'inscrivent. Et effectivement, la parade que j'ai eue pour simuler la marche en dénivelé, ça a été de m'entraîner à courir avec un pneu accroché derrière un baudrier que je mettais à l'envers. Et pendant un an, bah, j'ai couru avec un pneu accroché derrière moi. Donc au début, un pneu de mobylette, puis pneu de 105 et ainsi de suite, jusqu'à pneu de roue avant de tracteur. Bon, roue arrière, je n'ai pas encore essayé, mais tu vois, de plus en plus gros. Au début, les gens, bon, ils disaient, mais il va pas tenir, etc. Mais en fait, j'ai tenu, enfin, j'ai tenu. Je m'étais fixé ça et effectivement, je suis arrivé le jour du test, je l'ai eu à la main, quoi. Et Alors ça donc, s'est pas tu fait vois, tout c'est seul parce que ouais vas-y vas-y parce que le c'est pas un test où il faut courir 2000 mètres et puis c'est terminé quoi. Ah oui, c'est pas fait tout seul, ouais. En plus, t'as un sac à dos, enfin, c'est assez engageant, quoi, hein. Effectivement.
Et alors, ça veut dire que t'as pris sur tes vacances, t'as pour te préparer à ce test-là, t'as fait des reconnaissances du parcours. Oui, c'est, oui, pour Et... l'anecdote aussi, bon, les 15 jours de vacances que tu as, ben, je les ai pris à Chamonix. Ouais. Et j'étais au Club Med, hein, mais de Chamonix. Mais le matin, au lieu d'aller faire de l'aquagym, j'allais bah, faire le test de reconnaissance et je l'ai fait tous les matins, quoi. Donc tu l'as fait Donc, combien de fois? alors je l'ai fait de très très nombreuses fois parce que je le connaissais par cœur. Je savais exactement qu'à telle pierre, il fallait que je boive un coup, que mon petit bout de banane, je le mangeais à tel endroit, que là, c'était un faux plat que je pouvais accélérer, etc. En gros, c'est ça, c'est que j'ai pas de facilité physique en vrai, je pense. Par contre, quand j'ai quelque chose dans la tête, je me mets tous les moyens, y compris ceux qui n'existent pas, pour y arriver. Et ça, si j'ai une seule faculté, un seul talent, c'est je suis très créatif dans le fait de trouver des moyens d'y arriver, alors que, encore une fois, j'ai un corps, je pense, génétiquement, je suis bien loti par la nature, mais si tu veux, 1m77, 80 kilos, bon, tu vois, on m'a jamais détecté de facilité en sport à l'école pour me dire, bah tiens, va faire du 100 mètres. J'ai toujours été très bon dans les meilleurs, dans tous les sports que je faisais. Mais c'est après, où là où je faisais la différence, c'est dans des challenges que d'autres se fixaient, où moi j'allais vraiment plus loin dans la préparation. Donc, descendu Ouais, donc le c'est... Rhône à la nage sur un coup de tête, tu vois. J'ai entendu un mec qui s'inscrivait, il était nageur lui, hein. J'ai dit, ah bah tiens, ça a l'air marrant, je vais le faire. En hiver, hein, avec une eau à 10 degrés. Là, c'était l'ultra trail, je me suis mis à faire des courses à pied de longue distance. La plus grande que j'ai fait, c'est 78 km de nuit. Toujours en faisant 80 kilos. Tu vois, sur la ligne de départ, les mecs, ils me regardaient de travers et ils faisaient la version courte ou la version longue? Bah, la version longue, et ils se marraient. Et puis en partant, je disais, bon, on se donne rendez-vous à l'arrivée. Et tu vois, quand on me dit, t'as pas le physique pour ça ou c'est pas faisable si t'as pas fait ça ou ça, moi, ça m'excite. Ouais, je Ouais. trouve les moyens de pallier. Mais t'es capable, c'est pas uniquement dans la compétition que ça s'exprime. On s'était eu au téléphone il y a quelques temps et tu m'avais raconté cette anecdote qui m'avait pétrifié d'une certaine manière. T'étais allé à la salle, t'étais tout seul. T'avais décidé de bosser donc les muscles des jambes, en l'occurrence les quadriceps, si je me souviens bien. Tu m'as expliqué que les quadriceps, c'est pas ce qu'il y a de plus facile comme muscle à travailler. Et t'étais hyper heureux parce que t'avais été au maximum de tes objectifs, t'avais fini en vomissant et le corps secoué de spasmes. Et là, je m'étais dit, ouais, ok, donc il y a motivation et motivation quand même. Ouais, bah en fait, moi, dès que j'ai su, tu vois, il y a la douleur psychologique et la douleur vraiment mécanique, hein. En muscu, on sait que à force de faire des répétitions, si à 10, en théorie, t'as mal, il y a un moment donné, tu vas t'habituer à avoir mal à 10, mais c'est pas la vraie douleur. Et quand j'ai su ça, qu'il fallait aller au-delà de la douleur, et que la vraie douleur, de toute façon, tu fais à la limite un malaise, notamment quand tu fais les jambes, parce que c'est un tiers de la masse musculaire du corps qui est hyper innervée. Et quand tu te fais mal aux jambes, de toute façon, tu peux pas te mentir. Tu peux pas marcher pendant 5 minutes. Une fois que je sais ça, moi, ben je suis obligé d'aller jusqu'au malaise quand je fais les jambes, tu vois. Et je suis content quand j'y arrive. Et alors ça devient à la limite masochiste, hein, ce que je te raconte là, mais c'est quelque part, moi là j'ai beaucoup appris, c'est sur le pouvoir du mental. Ouais. Qu'effectivement, quand tu te mets à croire à des choses, eh ben, le corps suit et ça se réalise. Et il n'y a pas encore une fois de. Il faut pas croire. Un jour, je vais t'expliquer un truc sur l'escalade. Tu vois, j'ai pas un physique de grimpeur. Quand je suis arrivé dans l'armée, premier cours d'escalade, je me mets au pied d'une voie. Au hasard, hein, il y a un commandant qui arrive, qui était l'instructeur, et il me dit, mais regarde pas cette voie, c'est du 6A. Toi, t'es débutant. Et puis, vu ton physique, si tu montes ça, je mange mes chaussons. Il fallait pas qu'il me dise ça. Donc, évidemment, j'ai focalisé sur cette voie.
Au lieu de commencer par du 3, du 4, etc., comme tout le monde, je n'ai fait que cette voie-là. Donc au début, je faisais 1 mètre, après 1 mètre 10, 1 mètre 20, mais au fur et à mesure, j'augmentais, je comprenais, et un mois après, bah, j'y arrivais. Sans avoir jamais fait de 3 ou de 4, tu vois. Et la séance collective d'après, j'appelle le commandant, et je dis, viens voir mon commandant, je vais vous montrer un truc. Je monte la voie du premier coup, et en plus avec une aisance surjouée. Je descends et je dis, bah, maintenant, vous mangez vos chaussons. Bon, il a hésité entre me punir et me féliciter. Et 2 ans après, j'étais au Championnat de France d'escalade, pour la petite histoire. Parce que Ah du coup, ouais. ça m'a donné l'élan. Et bah, j'ai progressé comme un taré à me dire, bah, de toute façon, une voie, c'est facile. Tu l'as fait tant que tu n'y arrives pas, quoi. Et donc, après, je faisais du 7, etc. Et alors, Voilà, c'est tout. Vas-y. ouais, non, non, mais du coup, la question qu'on se pose forcément, c'est alors d'autant que toi, tu es à la fois père, on l'a dit, tu es chef d'entreprise, donc tu as des collaborateurs. Je sais qu'il y en a certains que tu coaches de manière un petit peu plus particulière. C'est quoi les recettes, les secrets pour muscler cette motivation? Et enfin, est-ce que ça existe d'ailleurs? Est-ce qu'on peut progressivement arriver à voir la motivation de Michael aller se faire vomir en musclant ses quadriceps? Bah, si t'es pas intimement persuadé que ce que tu fais, ça marche, c'est compliqué. Il y a la motivation par la contrainte. Tu vois, je me lève parce qu'il faut aller au boulot pour manger, pour avoir un salaire pour manger. Ça, c'est de la motivation par la contrainte. Il y a plein de motivations par la contrainte. Moi, ma motivation, elle est intrinsèque. J'en suis tellement convaincu et persuadé que ça marche, que je me pose même pas la question de résister au moelleux au chocolat, tu vois, parce que ça me vient pas à l'idée. Si je suis en prépa, ça me vient même pas à l'idée. Mais c'est l'accumulation de mini succès comme ça qui font que je me dis, mais là, ce que je ressens quand ça marche, et la gloire que ça m'apporte, et comment ça rayonne, je me dis, mais ça vaut, c'est pas que ça vaut tous les sacrifices du monde, parce que c'est même plus des sacrifices, c'est devenu une routine. Et Et ça, donc c'est auprès ça, de c'est la tes peur. enfants ou de tes justement ou de tes collaborateurs, y en a certains qui commencent de haut avant l'interview. On évoquait un prochain potentiel recrutement chez toi et bon, voilà, c'est quelqu'un, c'est un sportif de haut niveau, donc on peut imaginer qu'il a déjà cette motivation. Mais c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Quand t'as le gars normal. Un petit peu ventripotent qui se pointe, mais qui pour autant se dit qu'il aimerait bien sortir, tu vois, un petit peu de son état d'une certaine forme de médiocrité ressentie peut-être. C'est quoi les conseils que tu donnes généralement? Bah, les conseils, alors, que ce soit avec mes enfants, en milieu professionnel ou autre, je suis assez transparent sur le fait que c'est dur, qu'il y a des combats à mener, mais que c'est une somme de petits combats à mener quotidiens, et si on les isole, ce sont des petits combats faciles. C'est comme si toi, je te disais, demain, si tu te lèves à 6 heures pour faire une demi-heure de cardio, à vie, tu as des abdos apparents, tu vas me dire oui. Bah finalement, c'est faire ça, mais tous les jours. Et tous les jours, tu te dis, bah demain, je vais faire ça. Et donc, ces petits combats-là, en fait, je les appelle des combats volontairement. Parce que si tu les appelles pas des combats, tu les identifies pas tel quel. Le premier combat, c'est, bah, je me lève à 6h ou 6h30. À midi, est-ce que je prends ce moelleux au chocolat qui est au menu ou pas? Sachant que c'est inclus dans le tarif. Ce serait con de pas le prendre. T'étais Il avec est moi hier tard, ou je... quoi là pour dire ça? Il est 18h, je sors du boulot, j'étais censé aller à la salle. Est-ce que ça peut pas attendre demain? Est-ce que ce soir je mange des glucides ou pas? Est-ce que je me couche tôt ou est-ce que je vais regarder Netflix jusqu'à point d'heure? C'est des petits combats. Pris un par un, c'est que dalle. Par contre, sur la longueur, c'est ça. Et moi, mes enfants, je leur explique ça. Je dis que la vie déjà est un combat. Et dans ces combats, il y a des petits combats qui t'aident à gagner les gros combats. Et ça, je trouve que c'est plutôt motivant. Surtout que les gens, c'est statistique, les gens, ils sont très optimistes sur des périodes courtes. Quand tu leur Ouais. dis ce que vous imaginez de vous dans un an, ils sont plus optimistes que ce qu'ils seront dans 10 ans. Ou 10 ans, c'est plutôt une version, alors que c'est l'inverse. Ouais. À un an, moi, je leur dis, attends, ça sera pas comme ça. Dans 10 ans, oui. Tes abdos, ils partiront jamais parce que tu auras une telle hygiène de vie que... Mais dans un an, attention.
Et c'est ça où il faut être transparent parce que tu as beaucoup de faux espoirs qui naissent avec les coachings joueurs actuels, la shape de fou pour juillet, vous avez 3 mois, etc. Les gens, ils sont court-termistes dans leur démarche et après, ils sont déçus. Surtout que c'est que ce soit en pro, en sport ou autre, eh ben, c'est du long terme. Si tu veux t'améliorer physiquement, mentalement, c'est du long terme. Alors quand tu le présentes comme ça, c'est vrai que, pardon, hein, mais ça a l'air un peu chiant, quoi. Tu vois, on se dit, ah ouais, la vie est un combat. En gros, on va se faire chier toute la vie, quoi. Donc c'est pas un programme hyper réjouissant. Et pourtant, quand on te connaît, t'es un mec incroyablement optimiste de nature. Enfin, ou en tout cas, je sais pas si ça aussi ça s'entraîne, mais t'es très positif, t'es optimiste, t'es un mec joyeux, quoi. Enfin, voilà, on Ouais, bah s'emmerde. ça Ouais. n'empêche pas, hein, parce que c'est le combat qui se passe dans ton cerveau avec toi-même. Hein. Le reste du temps, enfin, au contraire, ça te donne. Et puis, un combat gagné, il est plus facile celui d'après. Tu vois, tu t'es levé, tu as fait ton cardio, bah, tu commences la journée, tu as la banane. Tu te dis, putain, je commence bien, j'ai fait déjà une bonne action, quelque chose de bien. Tu arrives au déj, bah, tu as fait ton cardio du matin, tu n'as même pas envie de gâcher. Non, merci, je prendrai un fromage blanc. Tu vois, et tu sors de là, t'es pas ballonné, etc. T'as la tête haute, t'arrives au boulot, t'as pas le coup de barre de 14 h, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que moi je trouve que ça aide à être positif et optimiste. En sachant qu'on n'en a pas parlé, mais le positiver et être toujours dans l'optimisme, ça aide. En tout cas, c'est l'effet placebo. C'est prouvé que ça marche, mais ça marche aussi pour l'entraînement, ça marche pour le professionnel. Je ne pollue pas mon corps avec de la nourriture malsaine, et ben je ne pollue pas non plus mon corps avec des pensées malsaines ou avec des paroles malsaines, tu vois. Ça Ouais, alors tu crois beaucoup au fait pouvoir partie aussi du package. ouais, tu crois beaucoup au pouvoir de l'esprit. Ouais. Tu pratiques pas mal la visualisation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, comment t'entraînes ton esprit, si on peut dire ça, tu vois? Bah, le pouvoir de l'esprit, effectivement, pour moi, il est énorme. Hein. Je pense que tu es bien renseigné pour savoir que plein d'expériences montrent que le pouvoir de l'esprit, en tout cas sur le corps, il est énorme. Hein, l'effet placebo le montre bien. 60% des médicaments marchent par effet placebo. Hein. Ils marchent pas de manière intrinsèque, ils marchent par effet placebo. Donc ça, c'est des stats qui sont énormes. L'industrie pharmaceutique n'en parle pas trop, mais c'est le pouvoir du cerveau, il est énorme. On avance beaucoup sur la connaissance de ça avec l'épigénétique. On explique même que dans un bon environnement, si tu t'entraînes et que tu es nourri correctement, tu peux même faire évoluer positivement ton génome. Enfin, c'est énorme. Donc, Ouais, c'est fou. c'est fou. Tu peux être moins con si tu penses que tu seras moins con. Tu vois, Là, tu m'ouvres des portes incroyables, Mickaël, je te remercie. mais c'est une source d'espoir incroyable. Ça veut dire que si tu crois en ce que tu fais, tu crois que t'as plus de chances d'y arriver. Moi, tu vois, je suis jamais malade. Jamais, jamais malade. La dernière fois que j'étais malade, c'était en 2002, je me rappelle, parce que j'étais en école d'appli, j'ai eu une grippe, mais je ne suis jamais malade. Jamais, 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 jamais. Parce que Alors sur dès que les j'ai un alors, ouais, petit... Ouais, pardon, excuse-moi, non, mais dès que j'ai un vas-y. petit symptôme un petit coup de moins bien, je me dis, je suis plus fort que la maladie. Demain, je me réveille, je suis guéri. Et ça marche. Et c'est pareil sur l'entraînement, c'est pareil sur... Et pour aller encore au bout du cerveau, bah, il y a une technique là-dedans qui est la visualisation, où si tu te vois en train de réussir, tu te vois en train d'exécuter quelque chose, et bah, tu réussis mieux, tu exécutes mieux, etc. Alors, il y a plein de mécanismes qui l'expliquent, hein, ne serait-ce que le fait que ce soit une répétition de ce que tu vas faire. On est Ouais. toujours meilleur sur un deuxième discours que sur un premier. Et bah, le cerveau, c'est pareil. Donc, sur des situations de compétition, la visualisation est très très utilisée, notamment en escalade. Tu te répètes mentalement la voix. Tu te fais ton plan B si là t'es fatigué. Où est-ce que je fais le repos? Est-ce que voilà. Mais ça marche en musculation. Paradoxalement, quand on rigole des mecs qui se regardent dans la glace en train d'en faire le mouvement, bah, Ouais. il faut se regarder dans la glace. Il faut se dire je deviens énorme, je progresse, etc. Parce que ça aide. Et il y a une expérience Enfin, qui a été menée. sans les poids, Ouais, vas-y. c'est ça? Non, non, avec les poids, mais même avec Ah les oui. poids, il faut se visualiser. En train de faire le miroir à la salle de muscu, il est essentiel. Ça, pareil, ça a été montré. Se faire devant la glace ou sans se voir, ça n'a pas le même effet. D'accord. Et pour aller plus loin, il y a une célèbre expérience hein, qui s'est faite aux États-Unis. Il y a eu deux groupes de 30 personnes. Les deux étaient immobilisés.
Il y en a un qui faisait rien, il regardait la télé, et l'autre, il y avait un kiné qui leur faisait des séances de muscu virtuelles en leur disant, bah voilà, vous imaginez, vous prenez un poids dans la main gauche, vous faites les biceps, etc. Et ben le groupe qui a simulé l'entraînement a beaucoup moins perdu de masse musculaire que l'autre, mais beaucoup moins significativement. J'ai plus les chiffres en tête, mais parce qu'ils ont entretenu leur masse musculaire parce que le cerveau avait l'impression de donner l'ordre. Quand tu sais ça, tu te dis qu'effectivement, on ne comprend pas tout du pouvoir du cerveau, mais le mental a une place incroyable dans le développement, dans la performance. Voilà. Et ça, c'est un tout. Si tu veux, c'est un tout parce que c'est Rousseau qui disait que un corps sain obéit, un corps malade désobéit. Alors, si tu as le mental, tu as tout, mais que ton corps, il n'est pas entretenu, il n'est pas bien alimenté, etc., ça ne marche pas. Donc c'est un tout, tu vois. C'est l'alimentation, l'entraînement, le sommeil, et par-dessus, tu mets une couche de mental. Alors, on va revenir sur justement toute la chaîne, parce que tu as une théorie intéressante sur le sujet. Simplement pour rester 2 secondes sur l'esprit encore. Tu recommandes, je sais pas, de prendre 20 minutes dans sa journée pour visualiser des trucs importants. Tu l'utilises dans le business ou ça marche comment J'utilise dans le concrètement? business. Je Ouais. fais beaucoup de simu avec les gens que je coach. On simule la négociation qu'on va avoir, on simule l'entretien qu'on va avoir sur les cas importants, parce que sinon on passerait notre vie à faire du théâtre. Donc ça, je l'utilise en outil de coaching. Alors c'est pas de la Ouais. visualisation, mais c'est de la simulation. Mais Ouais. on fait beaucoup de jeux de rôle, toujours dans l'optique d'entraîner le cerveau à pas être surpris, parce que la surprise, c'est l'émotionnel, et l'émotionnel, ben, tu perds tes moyens. Donc ça, c'est toujours dans cette optique-là. Et j'utilise moi à titre perso. Alors, j'ai jamais médité ou tu vois, mais faudrait que je me penche sur la question, mais ça ne doit pas être loin. C'est qu'avant de m'endormir, j'aime bien rebalayer la journée en me disant ce que j'ai fait de bien. Je m'auto-congratule. Et les merdes du moment, je les passe en revue, en me disant, bon, ça peut attendre, ça va se gérer, je vais faire comme ça, etc. Bon, ok, nickel, je peux dormir. Et je m'endors en 5 minutes. Ma femme est toujours surprise, elle me dit, mais comment tu fais avec tout ce que tu as dans la tête pour ronfler au bout de 5 minutes? J'ai cette faculté-là tu vois, à me faire un bilan, mais j'y crois ce bilan. Et quand je me dis, bon, il se passera rien cette nuit, cette merde-là, je la gérerai demain matin, j'appelle à 10 h, ça sera réglé, et ça va bien se passer. Ben, en me couchant, j'y crois. L'importance de la croyance dans tout ce que je fais, et je ne me force pas à y croire, c'est que j'y crois. Et ça, c'est super important, avoir une pensée positive, des paroles positives. C'est une bagarre avec mes enfants. Je ne veux qu'il y ait rien de négatif qui sorte de leur bouche. Par exemple. Enfin, j'entends, bah, oh, je suis nul, j'ai pas réussi. Non, on ne dit pas je suis nul. Il n'y a rien. Enfin, ma femme, je la reprends souvent aussi là-dessus. Les quatre accords de Toltec, hein, je pense que ta parole soit impeccable. Pour moi, c'est important parce que si tu as une parole négative, ça veut dire que tu as une pensée négative. Et la pensée négative, ça gâche le reste. Ça gâche justement tout ce que tu es en train de mettre en place. Donc ça touche des domaines plus spirituels, là. Tu vois, mais je suis convaincu que autant l'alimentation doit être saine, mais autant tes pensées, tes fréquentations, doivent être aussi saines. C'est un tout. Ça me fait penser à ce qu'on lit, tu sais, sur les principes de l'hypnose. En gros, l'hypnose cherche à accéder au cerveau inconscient. Tu vois, le cerveau inconscient, c'est un peu comme notre pilote automatique. Il s'occupe en fait de tous les trucs que tu fais en fait sans y penser. Il s'occupe, par exemple, de nos fonctions vitales, l'homéostasie de notre corps, c'est-à-dire l'équilibre interne en termes de température, pression sanguine, etc. Il s'occupe de faire battre notre cœur, mais il s'occupe aussi de tous les réflexes, tu vois, qu'on a à tous les moments de la journée. Genre, je me gratte le nez, j'attrape ma fourchette pour manger, j'allume mon téléphone, etc. Ouais, ben, le cerveau inconscient est en fait beaucoup plus puissant que notre cerveau conscient. Il a une capacité de calcul, on dit, 500 000 fois plus importante que le cerveau conscient. Donc quand il est programmé pour un truc, bah genre c'est une machine de guerre. Et le problème c'est que quand t'arrêtes pas d'avoir une voix intérieure négative, eh bien ça le programme un peu pour miner tous les efforts que tu essayes de faire consciemment.
C'est pour ça que les hypnothérapeutes expliquent un peu comme toi que la pensée positive, en fait, c'est super important pour bien performer. Bah exactement, tu vois, moi j'ai pas la théorie que tu as parce que c'est moi c'est un auto-apprentissage, hein, si tu veux, c'est en constatant certaines choses. Après, je me suis mis à lire quand même à partir de 35 balais. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait un peu, le bordel qu'il y avait dans mon cerveau. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui me parlent dans mon cerveau. Si j'allais voir un psychiatre, je pense qu'il me dirait de prendre des médocs. Parce qu'il y a effectivement ces combats-là. Quand je parle de combat, je me parle à moi-même. Et quand je me dis sois positif, etc., c'est aussi des combats. Et des fois, quand je loupe des trucs, la première réaction, c'est de dire putain, j'ai pas été bon là. Et je pourrais partir dans un cycle de lose en me disant putain, merde, j'ai pas été. Mais tout de suite, c'est la prochaine fois, comment je serai bon. Et je me visualise en train de refaire la scène, ou refaire le truc, ou en reprogrammant le truc que j'ai loupé, en version mieux. Ouais, c'est pas toujours hyper facile, hein. Parfois, tu as été objectivement naze. Il s'agit quand même pas de faire le bisounours en faisant comme si tout avait été positif, hein. Il faut quand même regarder ton échec avec objectivité. Ah oui, je suis objectif, et puis des looses, j'en ai comme tout le monde, des merdes, j'en ai comme tout le monde. Sauf que la vie fait que j'ai appris qu'on s'en sort toujours. Et dès que t'as une merde, tu sais que tu vas la résoudre. Donc autant se mettre au combat tout de suite, parce que de toute façon, on sait qu'on va la résoudre, donc autant la résoudre le plus vite possible. Et c'est un passage à l'action, hein. Ce qui manque souvent aux gens, c'est le passage à l'action. Et pourquoi attendre? Tu vois, quelqu'un qui veut transformer son corps, il y pense. Et ben en un clic, il s'inscrit sur Internet, sur la salle d'à côté. Pourquoi attendre? Ou il pose le moelleux au chocolat qu'il est en train de bouffer. Il reste la moitié, ben il ne le finit pas. Le passage à l'action, en fait, c'est ce qui manque souvent aux gens. Et ça, c'est encore une fois, ben, c'est la force du mental de se dire, voilà, je le fais tout de suite. Le passage à l'action, en fait, c'est intellectualiser, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action, et c'est encore une fois, l'action, c'est un cercle vertueux. Tiens, bah, puisque tu parles de moelleux au chocolat, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de nutrition. Alors dans ton sport, évidemment, c'est un élément super important, on s'en doute. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que l'alimentation, en fait, c'est central dans le fonctionnement humain et qu'on devrait tous mieux comprendre l'impact que ça a pour nous tous, en fait, hein, parce que c'est pas vrai uniquement pour les bodybuilders. Alors évidemment, on comprend bien que l'impact de la nutrition est grand sur notre physique, mais toi, t'expliques que l'impact est aussi énorme sur notre esprit, et tu vas même plus loin en affirmant qu'il y a une forme de primauté du corps sur l'esprit. Oh ouais, bah l'expression c'est un esprit sain dans un corps sain. Moi je dis un corps sain pour un esprit sain. Et moi je comprends pas comment tu peux avoir un esprit vraiment sain dans un corps foireux. Quand je te parle sain, c'est pas que performant intellectuellement, c'est aussi le bien-être ressenti. Le bonheur, pour moi, c'est un instant éphémère, mais vraiment le bien-être que je ressens moi quand je suis 100% de tous les indicateurs, exercice physique, nutrition, sommeil, etc., je me sens léger. J'ai une petite sensation de faim, mais je me sens capable de faire. Et ça, j'en suis convaincu, c'est d'abord le corps. Et après l'esprit, mais l'esprit, après, quand il est au taquet, il fait progresser ton corps. Et c'est un cercle vertueux, mais qui part du corps. Parce que, encore une fois, je prends l'exemple, voilà, le jour où tu as la gueule de bois, ton corps il est au plus bas, tes paramètres physiologiques sont au plus bas, tu as beau avoir le mental, ok, tu iras à la salle de sport, mais tu vas rien faire de bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Du coup, concrètement, c'est quoi les principes de base de la nutrition? Bien, quels sont les grands trucs qu'on connaît pas bien ou pas suffisamment en termes de nutrition? alors, il y a des principes de base qui sont très logiques, mais qui ne sont pas appliqués. Est-ce qu'ils sont suffisamment connus? J'en sais rien. Mais il y a trois questions qu'il faut se poser quand tu manges. C'est quand, combien et quoi? Une fois que tu as bien répondu à ces questions, tu figes ta diète et après tu es tranquille de ce point de vue-là. Donc, on va commencer par le quoi. On est ce qu'on mange, hein. Les molécules que tu mets dans ton corps, c'est pour fabriquer ton corps. Donc, si tu manges de la merde, voilà, ton corps, c'est de la merde. Donc déjà, c'est le premier principe, c'est plus tu manges sainement, mais ça, c'est une évidence, hein, en le disant comme ça,
plus ton corps sera sain. Donc, plus l'aliment est transformé, moins c'est sain. Tu vois, plus il y a d'étapes de transformation, plus il sera mauvais pour ton corps. Un Snickers, il doit y avoir 150 étapes de transformation. Eh ben, c'est moins bien qu'une banane. Voilà. Pour un même effet glycémique, sans les effets secondaires. Donc déjà, plus l'aliment est de base, mieux c'est. Donc une alimentation à base de poulet, de riz et de légumes, déjà, c'est pas l'idéal, mais presque. Donc le premier principe, c'est n'allez chercher pas des trucs compliqués, tout est dans la nature, tout. Il suffit d'imaginer ce que mangeaient nos ancêtres. Les premiers Homo sapiens qui vivaient de chasse, de cueillette, ils arrivaient à choper de temps en temps des œufs et de la volaille, mais ils n'allaient pas tuer un bœuf et puis ils n'allaient pas se faire des pizzas tous les samedis soirs, quoi. Donc ça, c'est le premier principe, c'est La pizza, c'est pas cool, mais en même temps, la plupart des bodybuilders n'ont pas non plus une alimentation hyper raisonnée, hein, et on dit qu'ils prennent des tas de compléments alimentaires, non? non. Si, si, la plupart font, mais moi non. Ça veut dire que tu as construit ton physique uniquement avec une alimentation normale, c'est-à-dire donc en fait avec des aliments que tu cuisines dans tes repas, quoi. Tout est dedans. Mes premières diètes, quand j'étais coaché par quelqu'un d'autre, bah je prenais les compléments alimentaires, les BCAA, la glutamine, vitamine D, vitamine C, mais j'étais pas persuadé intimement que. Et je me suis amusé à tout couper du jour au lendemain pour voir si ma qualité d'entraînement, ma qualité, etc., était la même. Et c'était la même. Alors, j'ai arrêté parce que je me dis que tout est dans la nature. Il suffit de manger sainement, varié, de cuisiner si possible à la vapeur. Et c'est simple. Et, alors, les gens vont dire triste vie. Alors, oui, selon tes objectifs, après, tu peux te faire un repas plaisir. Tant que 90% du temps, tu manges bien. Tu peux te permettre, mais pas l'inverse, tu vois. C'est pas je mange une fois bien pour me donner bonne conscience des 5 jours dans la semaine où j'ai mal bouffé, tu vois. Là, ça marche pas. Et en sachant aussi que la notion de plaisir, elle est relative. Pour moi, le plaisir, c'est un bon plat de pâtes. Parce que comme j'ai pas accès à ça la semaine, donc si tu veux, la notion de plaisir, je l'ai quand même. Sauf que toi, si tu manges des frites toute la semaine, bah, le week-end, il te faut des frites avec de la sauce, un gros burger plein de fromage, etc., pour avoir une notion de plaisir, pour le décaler. Donc c'est ce que je dis aux gens. Je dis, oh, triste vie. Je dis, bah non, pas triste vie. Moi, des pâtes à la carbo, c'est mon kiff suprême. Voilà. Toi, tu dois rajouter en entrée une part de pizza et puis en dessert un gros sundae caramel. Moi, ça me suffit parce que effectivement, il y a un décalage. Voilà. Donc le quoi, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est un apprentissage parce qu'il faut se désintoxiquer du gras et du sucre, qui sont très addictifs, notamment le sucre. Et ça prend un peu de temps. Donc il y a une petite souffrance quand même, hein, comme quelqu'un qui se sèvre à la drogue. Il y a 6 semaines de manque, au moins, pour se déshabituer du sucre, des glucides, qui sont omniprésents. Et encore une fois, qui n'étaient pas du tout omniprésents à l'ère de l'Homo sapiens. Donc le quoi, après le quand, bon, le plus possible, paradoxalement, plus tu fractionnes ton bol alimentaire journalier, mieux c'est. C'est-à-dire que tu éclates moins ton estomac. Donc moi, je mange sur 5 repas. On mange classiquement sur 3 repas. Donc je fais une collation à 10h, une collation à 16h. En prépa, je peux monter à plus. Mais l'idée, c'est de fractionner le plus possible les repas sans en rajouter. Parce qu'il y en a qui disent fractionne, ben je me prends un goûter en plus. Non, c'est pas en plus. C'est que tu calcules ce que tu dois manger et tu le fractionnes. Ça, c'est important. Et ça, c'est important pour l'aspect mécanique de la satiété. Il y a le nerf de la satiété, hein, il fonctionne assez basiquement. Quand il est tendu, tu as plus faim. Quand il est détendu, tu as faim. Sauf que c'est un élastique. Donc plus tu le détends, plus pour le tendre, il faut du volume. Donc ça, c'est important. C'est travailler sur le bol alimentaire qui soit le plus petit possible et au bon moment, c'est-à-dire plutôt début de journée, l'apport le plus important parce que tu as utilisé tes ressources pendant la nuit. Donc on dit petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Donc faut vraiment respecter là cette chronologie pour utiliser au bon moment, voilà. Le soir, manger des glucides,
Ça ne sert à rien. Ou alors très peu. Parce que tu vas dormir juste après. Donc avoir de l'énergie pour aller dormir, ça ne sert à rien. Par contre, du bon gras et des bonnes protéines, oui. Donc ça, c'est le... Ça sert à rien et en plus même ça va nuire. C'est double punition. Parce que non seulement tu vas stocker, parce que ce qui n'est pas utilisé, ça va être stocké. Et en plus de ça, comme la digestion est le premier job à faire pendant la nuit, le premier étant la digestion, le deuxième reconstruction du corps, les muscles, les ligaments, etc. Et trois, c'est le cerveau qui va faire le tri, etc. Donc, si tu n'arrives déjà pas à digérer en 6 heures, déjà, bah, tu ne vas pas avoir la réparation du corps complète. Donc, le petit bobo, la petite tendinite, bah, elle y sera toujours le lendemain. Et en plus, ton cerveau, il se sera pas nettoyé, reconstruit, donc une sensation de gueule de bois. On a tous eu cette sensation de gueule de bois après un trop trop gros repas. Et ben c'est ça. C'est ton cerveau, ben, il sait pas. Donc le triple punition, non seulement tu stockes, mais en plus de ça, tu t'es pas reconstruit. Donc t'as beau avoir fait du sport la journée, coup d'épée dans l'eau. Et en plus de ça, ton cerveau, il est HS pour le lendemain. Donc vraiment, dîner comme un pauvre, c'est vraiment pas une expression. Il faut quasiment rien manger, quoi. Si tu te lèves pas avec une faim de loup, ça veut dire qu'il te reste encore à la digérer, donc c'est pas bon. Et donc, et cette faim, il faut la ressentir au moins une fois ou deux par jour. Si t'as pas faim une fois ou deux par jour, c'est que tu as trop mangé. Rappelle-toi quand tu étais petit, que tu étais en pleine croissance, tu avais faim en permanence. Tout était utilisé. À l'adolescence, encore pire, tu étais un estomac sur pattes, toujours, parce que tout était utilisé. La sensation de faim que tu avais quand tu étais ado, on devrait toujours l'avoir. Une fois que ton estomac il est vide, il est vide. Hein. Et ben, il y a des gens qui n'ont plus faim. Tu interroges les gens, au boulot, ça m'arrive. Ils me disent, ah bah, on va manger, j'ai pas très faim. Bah, t'as pas faim? Comment ça fait que t'as pas faim? Bah, j'ai pas faim. Moi, ça m'étonne. Parce que j'ai faim 3 ou 4 fois par jour, ou à 11h30, je suis en train de regarder la montre parce que je dois attendre une demi-heure, tu vois. Donc, ça, c'est un indicateur. Si t'as pas faim, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, carrément, ça c'est une phrase qu'on entend tout le temps, enfin, et d'ailleurs qu'on prononce tous chacun hyper souvent en fait. C'est ça, c'est que en plus de ça, le système digestif, il n'est pas fait pour fonctionner H24. T'imagines, c'est comme si tu avais une voiture et que tu faisais tourner le moteur, tu arrives chez toi, tu continues à faire tourner le moteur dans le garage en attendant que tu te réveilles le lendemain et que tu. Et à un moment donné, bon, ça va casser quelque part. Bah, le système digestif, c'est pareil, c'est qu'il est censé être au repos la moitié du temps. On a été programmé pour ça en tout cas. Moitié du temps. Au repos la moitié du temps, alors ouais, c'est clair que c'est pas le cas pour la majorité de l'espèce. Hein. Serait-ce que parce qu'en fait, on se pose pas la question, hein, tu vois, quand c'est l'heure du déj, bah tu vas déjeuner, non? Ouais, et puis normalement, t'as pas faim, tu manges pas, tu vois. Bah, c'est vrai, mais on mange quand même. Donc, c'est plus qu'épidémique, c'est devenu. Et la triple punition, c'est qu'en plus, quand tu manges trop, qu'est-ce qui se assimile plus facilement? C'est le sucre et le gras. Voilà. Ça passe plus facilement dans la paroi intestine. Donc, c'est triple punition. Non seulement tu stockes, non seulement tu te répares pas, mais en plus de ça, les bons trucs, ils passent à travers, les mauvais trucs, ils passent dedans. Donc il n'y a que des arguments pour dire qu'il faut pas trop manger, notamment le soir, si possible. Et puis le système digestif, qui est le deuxième cerveau, on l'appelle le deuxième cerveau parce qu'il y a 200 millions de neurones dans le système digestif. Il y a beaucoup de choses qui viennent du ventre. On l'explique pas, mais il y a beaucoup de choses qui viennent du ventre. C'est voilà, quadruple punition parce qu'effectivement et les maladies induites par ce truc. Les cancers, les diabètes, les machins, enfin. C'est vraiment l'alimentation, c'est vraiment. Exactement. Exactement. C'est le problème numéro un, c'est l'alimentation. Il y a des gens qui sont en dépression, ils prennent du Xanax. Moi, je leur dirais, avant de prendre du Xanax, apprends à manger. Tu verras que tu iras mieux dans ton corps, tu iras mieux dans ton ventre, et à un moment donné, tu iras mieux dans ta tête. Et c'est pour ça que moi, voilà, ma voix porte peu, mais si j'ai un message à passer aux autorités,
à distribuer des antidépresseurs, etc., des séances de psychiatre, aller envoyer les gens chez un nutritionniste. Parce que ça part de là, et j'en suis persuadé. Donc, si je résume, il faut manger sainement, il faut bannir les aliments transformés au profit de viande maigre, de poisson et de légumes vapeur. Il faut manger peu le soir et ça, donc, ça va nous permettre de mieux dormir, d'avoir un corps plus en forme et un esprit, un cerveau plus alerte. Et donc, on sera non seulement plus heureux, mais en plus, on sera plus performant, c'est ça? C'est extrêmement bien résumé. Mangez des brocolis à la vapeur et vous serez des winners. C'est exactement ça. C'est top, Mickaël. Merci vraiment pour tous ces conseils. Merci à toi. Pour ceux qui voudraient suivre ton actualité, ils doivent aller où? Bon, alors, faut aller sur Instagram. On a un compte commun avec ma femme, mais je t'avouerai qu'on poste très peu parce que je ne sais pas m'entraîner et me prendre en photo en même temps, sans être focus, tu vois. Donc, mais il y a quand même que 2-3 photos qui traînent parce que on doit quand même informer les gens qui nous suivent sportivement. Donc, c'est sur Leslie Mika, athlète IFBB, Fédération internationale de bodybuilding, qu'ils pourront nous trouver et nous suivre. Excellent. Encore un immense merci pour ces propos vraiment inspirants, Mickaël. J'espère qu'ils profiteront à beaucoup de nos auditeurs pour mener leur vie sabre clair. Ben, j'espère. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair. Ça me fait penser à ce qu'on lit, tu sais, sur les principes de l'hypnose. En gros, l'hypnose cherche à accéder au cerveau inconscient. Tu vois, le cerveau inconscient, c'est un peu comme notre pilote automatique. Il s'occupe, en fait, de tous les trucs que tu fais, en fait, sans y penser. Il s'occupe, par exemple, de nos fonctions vitales, l'homéostasie de notre corps, c'est-à-dire l'équilibre interne en termes de température, pression sanguine, etc. Il s'occupe de faire battre notre cœur, mais il s'occupe aussi de tous les réflexes, tu vois, qu'on a à tous les moments de la journée. Genre, je me gratte le nez, j'attrape ma fourchette pour manger, j'allume mon téléphone, etc. Ouais, bah, le cerveau inconscient est en fait beaucoup plus puissant que notre cerveau conscient. Il a une capacité de calcul, on dit 500 000 fois plus importante que le cerveau conscient. Donc quand il est programmé pour un truc, bah, genre c'est une machine de guerre. Et le problème c'est que quand t'arrêtes pas d'avoir une voix intérieure négative, eh bien ça le programme un peu pour miner tous les efforts que tu essayes de faire consciemment. C'est pour ça que les hypnothérapeutes expliquent un peu comme toi que la pensée positive, en fait, c'est super important pour bien performer. Ouais, c'est pas toujours tout. Tiens, bah, puisque tu parles de moelleux au chocolat, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de nutrition. Alors dans ton sport, évidemment, c'est un élément super important, on s'en doute. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que l'alimentation, en fait, c'est central dans le fonctionnement humain et qu'on devrait tous mieux comprendre l'impact que ça a pour nous tous, en fait, hein, parce que c'est pas vrai uniquement pour les bodybuilders. Alors évidemment, on comprend bien que l'impact de la nutrition est grand sur notre physique, mais toi, t'expliques que l'impact est aussi énorme sur notre esprit. Et tu vas même plus loin en affirmant qu'il y a une forme de primauté du corps sur l'esprit. Du coup, concrètement, c'est quoi les principes de base de la nutrition? Bien, quels sont les grands trucs qu'on ne connaît pas bien ou pas suffisamment en termes de nutrition? Ben, la pizza, c'est pas cool, mais en même temps, la plupart des bodybuilders n'ont pas non plus une alimentation hyper raisonnée, hein, et on dit qu'ils prennent des tas de compléments alimentaires, non? Ça veut dire que tu as construit ton physique uniquement avec une alimentation normale, c'est-à-dire donc en fait avec des aliments que tu cuisines dans tes repas, quoi.
Carrément, ça c'est une phrase qu'on entend tout le temps, enfin, et d'ailleurs qu'on prononce tous chacun hyper souvent en fait. Au repos la moitié du temps, alors ouais, c'est clair que c'est pas le cas pour la majorité de l'espèce, hein. Serait-ce que parce qu'on en fait on se pose pas la question, hein, tu vois, quand c'est l'heure du déj, bah tu vas déjeuner, non? Donc si je résume, il faut manger sainement,